Acheter des produits reconditionnés, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te parler d'une plateforme de produits reconditionnés qui se nomme Rebuy. Par exemple, ici, un produit reconditionné est donc un produit électronique d'occasion remis en état et forcément avec un prix très attractif. Donc ça peut être super bien pour un cadeau par exemple si tu as envie de te faire plaisir, puisque donc sur le site Rebuy il y a 36 mois de garantie, ce qui est juste énorme, et ça montre à quel point eh bien ils ont confiance déjà premièrement de leur service, de leur qualité et de leurs produits. Et donc aujourd'hui, petite présentation d'une montre connectée fossile. D'ailleurs, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Tu vas donc retrouver sur leur site eh bien des montres connectées, des smartphones, des ordinateurs, des consoles et bien plus. Et comme tu peux le voir avec la boîte, je me suis donc procuré un super produit, comme je te l'ai dit, une montre fossile connectée, troisième génération par contre ici, donc qui est à mon poignet. Je t'avoue que c'est l'une des premières fois que je teste, on va dire, une smartwatch sous Android et j'en suis très satisfait. Allez, c'est parti au niveau des caractéristiques. Il s'agit donc de la montre fossile Q Explorist, donc de la troisième génération, de couleur acier. L'écran donc AMOLED de 1,7 pouces, c'est vraiment très raisonnable, j'aime beaucoup, je peux lire tranquillement mes messages avec le OK Google qui s'est lancé. Un bracelet en acier donc inoxydable, d'ailleurs la montre pèse 173 grammes. Donc ce qui est plutôt honnêtement pas mal pour une montre connectée, ce que je trouve ici, puisque c'est vrai qu'ils font d'autres versions, par exemple pour les femmes, elles sont beaucoup plus légères. J'aime beaucoup puisque ça me fait penser à d'autres montres que j'ai pu porter, donc de la marque Fossil, mais qui ne sont pas connectées et qui sont elles aussi un petit peu lourdes. Donc 173 grammes, je trouve que c'est plutôt bien. Ça correspond vraiment à mon style en tout cas de montre connectée. J'aime bien une montre un petit peu lourde quand même au niveau du poignet. Donc 4 Go de mémoire vive. D'ailleurs, les applications ne sont pas lourdes. C'est très intéressant. On peut vraiment mettre beaucoup d'applications. Elles sont très légères. Donc ça, c'est plutôt cool. Forcément, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se retrouve sous Android, donc se connecte très rapidement eh bien, à mon smartphone, donc le Xiaomi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on retrouve donc déjà premièrement aussi un haut-parleur, ce qu'on ne retrouve pas sur la 4e génération. Moi, c'est pour ça qu'honnêtement, j'étais plus tenté par la 3e gen. C'est surtout pour ce côté haut-parleur où, par exemple, j'ai utilisé le OK Google. Il va me répondre parfaitement. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ça fonctionne très bien. Et surtout, ce que j'aime énormément, c'est le fait que tu vas recevoir toutes les notifications sur ta montre. Donc, pas besoin de sortir ton téléphone. C'est quelque chose auquel maintenant je me suis habitué de regarder ma montre et de voir un peu aussi des mails de façon très synthétisée. Donc c'est très intéressant et surtout j'ai constaté que lorsque je vais travailler c'est beaucoup plus efficace, parce que tout ce qui va être des articles, tout ce qui va être des notifications entre guillemets un petit peu spam, eh bien je vais les voir sur la montre et je vais tout de suite supprimer, comme ça je vais pas perdre de temps, alors que sur le téléphone tu as plus en fonction de ce qui t'attire ou pas, envie de cliquer et après de lire l'article et tout, donc tu peux perdre du temps, par exemple moi dans mon travail. Et là j'optimise vraiment mon temps aussi avec cette montre là. J'utilise aussi pour le sport et c'est plutôt cool, par exemple je vais mettre YouTube et là boum, je peux changer de musique directement depuis l'application, puisque je mets eh bien le smartphone dans une sorte de brassard, donc c'est un peu compliqué pour moi de regarder mon brassard en train de courir en même temps, de changer de musique sur YouTube et tout, alors que là je le fais directement depuis la montre, et ça c'est un très très bon point. Dans la boîte tu vas donc retrouver forcément la montre, une notice, donc la notice officielle de Fossil, et aussi donc un câble de rechargement. Là où c'est très intéressant, c'est que tu peux retrouver à peu près cette montre là à 130-150 euros par exemple. Moi je l'ai prise parce qu'elle était, on va dire, de la meilleure qualité possible. Voilà, état vraiment, on va dire, irréprochable. Et donc c'était à peu près 200 euros. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment, mais très très intéressant en termes de rapport qualité-prix, le reconditionné. Surtout là, c'est la première fois que je teste avec une montre et pas du tout de soucis. Il y a quand même une garantie de 36 mois. Donc ça aussi c'est quelque chose à mettre en valeur. Et qu'il y a aussi un droit de rétractation de mémoire de 14 jours. Donc forcément tu peux, si tu souhaites, renvoyer le produit ou pas, en fonction de si ça correspondait pas à ce que au final tu voulais acheter. Sachant qu'il est aussi possible donc de vendre ces produits sur le site Rebuy. Donc imaginons si je souhaite vendre mon téléphone, eh bien je peux le faire sur Rebuy. Donc il est aussi possible donc de gagner de l'argent, ou en tout cas de vendre facilement un de ces appareils qu'on n'a plus envie d'avoir à la maison. Voilà, en tout cas le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses déjà des produits reconditionnés. Peut-être que tu as déjà acheté des produits reconditionnés. Dis-moi ce que tu en penses de ça.
Moi maintenant, en connaissant bien ce système-là, bah, je me dis au final, bah, pourquoi acheter neuf si à côté tu peux l'acheter pour beaucoup moins cher le produit et tu as une garantie, enfin c'est incroyable quoi. Donc maintenant, il y a vraiment un large choix et avec Internet, on peut faire de belles choses. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est aussi dans la description de cette vidéo. Le lien de leur site internet est aussi dans la description. Je te conseille vraiment d'aller checker et tout. C'est très très intéressant, énormément de produits. Et puis tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.